Ok, boum, c'est parti. Salut mon gars, salut la gade, c'est Jérém. Donc pour à la vibe de chez nous et pour la deuxième petite vidéo qui est pas vraiment la deuxième et même pas vraiment la première puisque celle de présentation était même pas vraiment la première. Tu vois ce que je veux dire? C'était juste de la présentation. Mais pour te dire justement que la première officielle arrive très bientôt. Donc juste un petit mot, reste bien avec moi dès maintenant. Là, ça va durer juste quelques minutes, ok? Et c'est la deuxième prise en plus parce que c'est très rare que je fasse des deuxièmes prises. Si tu fais partie de ceux qui me suivent déjà ailleurs, sur l'autre chaîne YouTube principale, sur les Repenseurs et ou sur les réseaux Facebook, etc., Instagram, tout ça, où je partage de toute façon le même fond des messages à chaque fois, même si c'est pas forcément sur les mêmes sujets. Comme là, on va parler 100% de musique, mais tu verras que tu auras toujours le même fond de mon état d'esprit et du fond des choses que je partage dans tous les cas, le fond du message, même à travers la musique. Et donc bref, ce que je vais te dire, c'est que là, donc on a la deuxième prise et donc je vais essayer de te refaire le mieux possible avec toutes les infos et sans rien zapper. Donc tout simplement, là on est le 21 décembre au passage et ce contenu il va sortir soit donc aujourd'hui, le même jour, soit au max demain. Ok, donc je fais le max pour qu'il sorte très vite et pour que les premières vidéos là qui arrivent sur la chaîne dans les prochains jours soient là elles aussi au plus vite possible. Dans l'idée, c'est donc je vais t'en parler là dans les prochaines minutes. Enfin, pour les prochaines minutes, ok. Je vais t'en parler juste dans un condensé de cette petite vidéo. Mais l'idée, c'est que tout simplement, les premières vidéos, là, elles arrivent dans la période de Noël, ok. Donc, soit avant le 25, soit juste après, mais dans l'idéal, le plus proche, tu vois, de Noël, dans cette période de Noël, aux alentours. Tu vas comprendre pourquoi, parce que ça va être vraiment surprise. C'est un truc qui n'était pas prévu que je fasse au départ sur cette chaîne. Pas prévu dans le sens, c'était pas sûr à 100%, tu vois, il n'y avait rien de sûr, mais ça faisait longtemps que c'était dans ma tête. Et donc, c'est la raison pour laquelle je t'en ai pas parlé dans la vidéo de présentation, et du pourquoi, du comment, du coup, là, je t'en parle maintenant dans cette deuxième vidéo de présentation, en fait, entre guillemets, du coup. Voilà, donc voilà pourquoi cette petite vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est, le truc? C'est simplement des vidéos purement de son, ok? Où ça sera pas avec moi en face, tu me verras pas comme là, ça sera ni un podcast, ok? Tu me verras pas, mais ça sera pas non plus un podcast, ça sera vraiment une vidéo. Et dans cette vidéo, tu auras du son. Tu sais, comme quand tu vas chercher du son sur YouTube et que tu as des gars qui ont fait des vidéos avec juste une image derrière ou un clip, c'est ce qu'ils appellent des clips non officiels, où c'est quelqu'un qui fait une vidéo, qui crée une vidéo, qu'avec de l'image, tu vois, et qui tout simplement, permet aux gens d'écouter le son de tel artiste à sa manière, tu vois. D'une autre manière qu'avec le clip officiel de l'artiste sur la chaîne Vevo et tout ça, tout ça. Bref, hein, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, là c'est la même chose qu'on va faire, mais grosse surprise, donc je vais t'en dire juste deux mots et le reste ça sera pure surprise. Donc peut-être que tu fais partie de ceux qui connaissent pas du tout ou ceux qui connaissent déjà bien. En général, c'est soit tout blanc, tout noir sur ce sujet. Donc on parle des fréquence. Ah, on parle du 432. On parle du 432 Hz. Et je t'en ai déjà parlé quelques fois dans d'autres sujets et en lien ou non avec la musique. Je t'en ai parlé sous plusieurs angles différents. Il y a une partie que tu as pu voir, une que tu n'as pas pu voir, vu que ça fait partie des contenus qui sont jamais sortis. Je t'en ai déjà parlé, ça c'est sur l'autre chaîne, donc on va éviter d'en trop en parler ici. C'est sur les repenseurs, ok? Donc je t'ai déjà parlé un peu du 432 Hz, du pourquoi, du comment ça m'intéresse, depuis quand c'est dans ma vie, ça fait déjà pas mal de temps, etc. etc. Et surtout, voilà, donc ici, tu vas pouvoir, donc non seulement ça, on va en parler plus tard, ok, je te réexpliquerai le pourquoi, du comment, tout ça, si ça t'intéresse, tu me demanderas et je te ferai une vidéo spécialement pour ça. Et surtout, l'intérêt là, c'est que vraiment ce soit action, 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 action! Et je commence à un petit peu mieux claquer des doigts. Putain. 23 piges depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Et ça y est, cet enfant, il arrive enfin à claquer un petit peu des doigts. C'est cool. Parce que oui, depuis tout petit, moi, j'ai jamais. Jamais il y a des gens de l'entourage ou des amis ou je sais pas, plus ou moins proches qui regardent là, si t'en fais partie, toi, coquin, coquine, le gars ou la gatte, et ben, tu sais, tu sais. Tu sais, j'en dis pas plus. Tu sais combien depuis tout petit j'ai galéré avant de réussir à claquer des doigts. J'y arrive toujours pas vraiment, tu vois. Plus de 20 piges que j'essaye. Donc bref,
Ça va être action, 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 je te disais. Et tout simplement, ben, découverte pour toi ou redécouverte, tout simplement, gros kiff si tu connais déjà. Tous les sons qui vont arriver là, donc toutes les vidéos qui vont arriver là, les premières vidéos de cette chaîne, donc dans les prochains jours, au fil des jours, ça va être des vidéos, donc un de mix, ok? Donc c'est des mix que je fais moi-même en 432 Hz, mélange de sons en 432 Hz. Bien sûr, dans la vibes hip-hop et reggae, puisque ben, si tu regardes la bannière de la chaîne, ben, c'est marqué dessus, c'est hip-hop et reggae. Et de toute façon, va voir dès maintenant la vidéo de présentation si tu ne l'as pas encore vue, parce que tout est dit dessus, ok? Tout est dit dedans, tout l'essentiel. Là, c'est juste un petit rajout parce que j'ai pris la décision de faire ce truc-là que j'avais dans la tête depuis quelque temps, mais que j'étais pas sûr. Et maintenant, c'est sûr, depuis hier. Tu vois, entre la nuit du 20 et du 21, là, décembre, boum, décision prise. Donc c'est pour ça que je te partage dès maintenant l'idée pour la transformer en action, en truc ancré, concret. Et maintenant, on y va, go. Donc, des vidéos mix et deuxième truc. Pour l'instant, après, il y aura d'autres déclinaisons. On verra les choses sous d'autres angles, bien sûr. Et le premier truc, c'est des mix et tout simplement, deuxième chose, bah, des sons entiers que je configure moi-même sur la fréquence 432 Hz. Voilà. Donc c'est tout. T'as juste à expérimenter. T'as le droit de vivre le truc sans forcément avoir besoin d'aller chercher à comprendre. Ok. Donc soit, je te répète, tu fais partie de ceux qui connaissent déjà. Et donc j'ai rien besoin de te dire de plus. Tu sais ce que c'est 432 Hz. Tu sais le pourquoi du comment. On va en parler ici et surtout on va le vivre ensemble et que je vais t'en partager un maximum. Je vais te créer un maximum de sons en 432 Hz. Enfin, t'en configurer un maximum. Donc, il y aura des sons que tu connais déjà dedans. Il y aura des sons que tu vas découvrir. C'est le même principe que tout ce qui a été expliqué sur la chaîne de présentation. Simplement que là, on fait la même chose, mais pour un autre univers encore, en plus du reggae et du hip-hop. Donc, c'est vraiment 432 Hz. Mais ça n'empêche que le style musical, il va pas forcément changer. Il y aura d'autres choses. On va ouvrir un peu plus sur la partie 432 Hz pour d'autres personnes, ok? Donc, il y aura aussi du rock, un peu de pop, etc. Ok? Et toujours dans l'esprit un peu, tu vois, good vibes. Enfin, beaucoup good vibes. C'est pas ça que je voulais dire. Indépendant. Tu vois, on sera en dehors du truc business, radio, etc. De ce qui tourne à la radio, tout ça. À des fois, il pourrait y en avoir, comme je t'ai déjà dit dans la vidéo de présentation. Si c'est un truc que j'aime, tout simplement, je cherche pas à comprendre si ça passe à la radio ou pas, si j'aime et que j'ai découvert moi-même. Mais voilà, bref, ça pourra souvent être des trucs que tu découvriras aussi. Voilà, c'est le but de cette chaîne, comme on a déjà parlé. Donc si c'est pas encore clair pour toi, pour éviter que je te répète tout le même blabla à chaque fois, je t'en supplie, va voir dès maintenant la vidéo de présentation. Elle est un petit peu longue, mais elle vaut le coup. Tout est dit dedans. Donc voilà, écoute. Partage autour de toi dès maintenant, s'il te plaît, partage, partage, partage à fond, parce que c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant qu'on commence les choses, et c'est maintenant qu'il y a le plus besoin de partage, tu vois. C'est maintenant qu'il y a le plus besoin de faire bouger les choses. Et c'est pas quand ça va tourner et que tout roulera tout seul dans X temps, ça peut prendre des mois, des semaines, ou plus. Voilà, et en tout cas, je vais faire le max pour que ça aille le plus vite possible, ça c'est clair et net. Je vais pas attendre que ça tourne au bout de 2 ou 3 ans, tu vois. Et pour ça, ben, il y a besoin de toi. Il y a besoin qu'on fasse chacun notre part, comme je t'en ai déjà parlé dans la vidéo de présentation, à l'image du colibri. Tu vois, il prend sa petite goutte d'eau et il va éteindre un feu avec ses petites gouttes d'eau comme ça. Et il fait des allers-retours. Mais si on est 1 000, 10 000, 1 million de colibris comme ça, t'imagines? On ramène 1 million de gouttes d'eau à la fois. Paf! Comme ça. 2 allers-retours, 2 millions de gouttes d'eau. Énorme! Allez! J'allais te dire, repense ta vie pour mieux la changer, mais parce que si je sais pas si t'es un nouveau ici ou si tu me connais déjà par le biais de ma première chaîne, donc des repenseurs, et ben le slogan depuis toujours c'est repense ta vie pour mieux la changer. Donc voilà, au passage, tu le sais, mais ici c'est sois ici comme chez toi et repense ta vie pour mieux la changer. Bisous, big up, à très bientôt et merci pour cette aventure qui commence. Et qui s'annonce génial. Et partage autour de toi, t'as le droit. Salut.